Salut à tous, aujourd'hui nous sommes à Fort-Calquier dans un petit village dans le sud de la France, dans les Alpes-de-Haute-Provence et nous allons visiter le marché. Donc tous les lundis il y a le marché de Fort-Calquier comme vous allez voir. C'est un village magnifique et nous allons visiter ça pour un des plus beaux marchés de France. Allez, à tout de suite, on y va. T'as raison, hein. Il était pas en grande forme. Hein. Non. Alors maintenant, tranquille. Hein. Saucisson corse. C'est quand on l'a moins qu'on se rend compte que c'est le plus important. Hein. Après, on va commencer déjà sous propre, franchement. Moi, je suis capable de glaçon. J'ai bien fait de mettre un caleçon propre aujourd'hui. Regarde ce que tu dis, tu me dis. Allez, sur la vidéo. tiens quoi, ça. Allez, on en compte 3. 4 vaches, moi, j'ai pas un bouc. Il y a des choix. Ouais, c'est bon. Bonjour. Ouais. En remontant. En remontant. C'est beau. Là, ça va exprimer du pipa. Papa, là, Bonjour. Et puis de passer tout le pays qui passe à la gueule. Bonjour. Bonjour.
mais je sais, ouais. Ouais, c'est joli, hein? C'est beau pour toi, c'est joli. Bonjour. Bonjour. Fabrication. Bonjour. Bonjour. Hein? Je peux filmer, ça va? Oui, ça va. Ça vous fait la pub, ça sera sur Singapour. Il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Ah, c'est bon ça. Pomme de terre. Ouais. Bonne journée. C'est normal, il faut se faire plaisir avec ta mère. Saucisson, bonjour. Je vous ai un saucisson. Bonjour, ah, je veux bien, merci. C'est le provençal avec olive verte et tomate séchée, celui-ci. Ok, merci. Ils sont artisanaux, c'est sans lactose, sans gluten et c'est que des bêtes françaises. Mm. Pas de nerfs ni de cartilage. Donc tu travailles ? C'est du bon produit, hein. Okay. Le saucisson. Pas, yeah, we buy one. Mm. This one is Provençal. Okay, il y en a plein, il y a taureau, sanglier, porc, comme le porc. Mm. Yeah. Figues, c'est les figues. C'est les figues. On aime tout. Figues, you want to try? Figues, merci. Figues, celui-là. Figue. Mm. I want the one that he gave the first one. Mm. Il y a une noisette ici. Vous les faites, vous faites ici, traditionnel? Nous, on est de Carpentras. Carpentras. On est du 84. Mm. Ça a 1h30 quoi, d'ici. 1h20, 1h30.
Yeah. You buy. Ouais. Je fais une petite vidéo, ça vous fait la pub. Ouais. Tu vas goûter aussi quand même. Ça c'est ça, c'est la marinée que c'est le... Ah, ok. Il est pas mariné. Ça c'est pas du melon ça. Mmh. Ah ouais. Voilà. Ah. Ça c'est enrobé avec des herbes de Provence avec terre au marin, ah, basilic, nice. Origan et marjolaine. Oh, il en encore. Mmh. Yeah. Merci. Vous êtes d'où, de quel coin? Nous on habite à Singapour. On est chef de cuisine tous les deux. Ah. On est chef privé. Et on fait des petites vidéos sur YouTube, ça s'appelle Le Petit Marché. Donc on fait des petits marchés dans le monde entier en fait. En fait, dans cela, c'est fait artisanal. Il n'y a pas de lactose, pas de gluten, il n'y a pas de nerfs, ni de cartilage. Mmh. C'est que des bêtes françaises. Mmh. Après, on en a un très bon, c'est les olives. Ça, c'est tout local, super local. Hein. Ouais. Ça, c'est les olives noires de Lyon, s'ils sont haussées aux olives noires. Mais dans celui-là, ils contiennent du lactose. Okay. Pas de okay. Saucisson, parce que les olives sont amères. Ça. Ouais. Olives noires de Lyon. Wow. Tu vois? Merci. Ah. C'est bon. Mmh. Le provençal et which one you want? Like, oui, on peut en prendre encore un autre. The one that he keep not sauté, the second. Le deuxième. Celui-là. Ah ouais, celui-là. Celui-là, c'est celui-là. Ouais, celui-là. Ouais. Et sinon, tu as le même à peu près avec du piment d'Espelette enrobé. Ok. Vous aimez le piment? You like Espelette chili? 10% et 15%. Non, le normal. Ok, mais tu veux goûter quand même? On va goûter. Tu veux goûter? You want to try? Ouais, c'est pas fort, hein, t'inquiète pas. C'est que de l'Espelette, c'est pas triché avec le piment cayenne. Ah, it's nice. Mais ils sont tous bons, t'inquiète pas. Ah ouais? Mais je vais te faire goûter un petit dernier comme ça, vous goûtez tout. Oh, nice, hein. Ça c'est un filet de porc qui est fumé au bois de verre. Il a une semaine de fumoir celui-ci. Après c'est du bon sel qu'il y a dans celui-ci. C'est différent. Une gueule, yeah. Il a plein. Il a. Ouais, bon. Qu'est-ce qui va bon? Tout est bon. Ok. Hein. Bye, Noé. Bye, Noé. Bye, Noé. Bye, Noé. Bye, Noé. Bye, Noé. Bio. You want to buy? T'achètes quoi, maman? La soupe au pistou. J'achète des haricots, des courgettes, des poivrons. Mais je mets pas de poivrons dans la soupe au pistou. Ouais. Ça va, ma belle? Vous allez bien? Oui, oui, bien sûr. Servez-vous, je vous prends les paniers. Belle tomate. Allez, messieurs, dames, on profite là dans la tomate ancienne. Alors, on a de la cœur de bœuf, marmande, ananas, noir de fumée, cornu des Andes, Hernandine.
Et grille tes bras. Allez, profite de la cuillère. Allez, messieurs, dames, on vient goûter, on se fait plaisir. On va goûter celui-là, alors. C'est celui-là qu'il faut goûter, monsieur. Après, vous avez caramel beurre salé, vous avez le traditionnel amande, le traditionnel pistache, vous en avez un au spéculoos qui est à tomber par terre. N'hésitez pas. Caramel beurre salé. Non, c'est le citron, ça. Ah, citron ? Et celui-ci ? C'est la nature. Ah, nature, ah, ok. Bon. Mange une gare, tu deviendras gaga. Complètement gaga. Allez, messieurs, dames, le nougat. Alors si vous venez à Fort Calquier, il ne faut pas oublier d'aller visiter la citadelle qui est en venant sur l'église, sur le petit chemin à gauche, vous allez trouver un petit chemin pour aller à la citadelle. Bonjour. Ça grimpe, ça grimpe.
get something. On y arrive, la citadelle de Fort Calquier, en plein été, avec le son des cigales. Et voilà, on y est. Magnifique vue. Superbe. Bonjour. Ah, le carillon de Fort Calquier. Voilà.
Alors voilà, voilà le couscous, la tagine mixte, le couscous, le poisson. Celui-là c'est au poulet. Alors nous sommes au restaurant qui s'appelle le Jam et on va goûter les bonnes tagines et couscous qui sont à Port-Calquier, donc surtout les restaurants à ne pas manquer. C'est bon, papa? C'est bon, mon poisson. Maman, ça va? Le poisson, c'est vraiment bon. Alors, on va goûter ça. C'est chaud. Comme tu as dit, ça ne pas manquer. Ah ouais. Ça vaut le détour. Mais après, on a dit de la souche à elle, c'est bien mérité. Ouais. Trop trop bon. Vous avez la rissa? La rissa? Oui. Tiens, c'est pour papa. Ouais. Ah la tagine elle est bonne avec les oignons confits là. Très très bon. Ouais. Vous voyez la tagine comme ça, avec les bons oignons confits. Les prunes. Quand tu l'as ouvert, on a senti le parfum. Ouais. Waouh, sacrée technique, hein. Merci. Après une belle visite du marché et puis la citadelle de Fort-Calquier, on m'a conseillé de visiter le cimetière de Fort-Calquier. Je vais faire une petite vidéo très courte pour vous montrer ensuite l'entrée du cimetière et l'intérieur qui va être très rapide, mais c'est joli. Donc si vous avez le temps, éventuellement dans la journée quand vous êtes sur Fort-Calquier, bah allez-y parce que ça vaut le coup. Allez, on y va, c'est parti. Voilà le fameux cimetière de Fort-Calquier. Thank you.
Et voilà les amis, j'espère que la vidéo de Fort Calquier vous a plu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube du Petit Marché, le Petit Marché de Nicolas Reynard. Et puis à bientôt sur la prochaine vidéo YouTube. Et aussi n'hésitez pas, cette période très très sèche, il fait très très chaud ici, n'hésitez pas à vous réhydrater, à boire beaucoup d'eau. Parce que en cette période d'été, estivale, il fait très très chaud. Allez, on se voit sur la prochaine vidéo et puis à bientôt. Ciao, ciao. Bye.